Merci Madame Dalloz, Monsieur Xavier Roseren. Merci Madame la Présidente, je serai super concis. Monsieur Duron, juste un mot sur le fret et sur la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Vous nous avez dit dans le rapport que les nouvelles infrastructures projetées entre Grenay et Saint-Jean-de-Maurienne seraient plutôt à faire en 2038 et vous préconisez, et ça me plaît beaucoup, la modernisation de la ligne historique Dijon-Modane pour accueillir dans de bonnes conditions le fret ferroviaire. Vous savez que le gouvernement s'est engagé à diminuer les émissions de CO2 et que lorsqu'on est sur le transport routier, on a beaucoup plus de polluants. Dans les Alpes et en particulier dans la vallée de l'Arbre, où on a un plan de protection de l'atmosphère, la qualité de l'air, c'est une importance de tous les jours. Donc, ma question, est-ce que quand vous avez fait votre rapport, vous avez tenu compte du côté environnemental et du côté sanitaire sur la qualité de l'air? Et vu les conclusions de votre rapport, pensez-vous réellement que la modernisation de la ligne historique Modane soit en capacité à elle seule à accueillir les poids lourds qui traversent le Mont-Blanc et le Fréjus ?